Moi, depuis que je suis dans la politique, si, moi, je considère qu'un politique qui ne fait pas campagne, ce n'est pas un politique, ça devient un expert ou un commentateur. Moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un commentateur. J'agis, j'ai des responsabilités et je m'engage en politique. Et pour m'engager en politique, il faut l'onction de l'élection. Et donc, nous, on fait campagne, puis on fait campagne pour nos amis, puis on refait campagne pour nous, puis on fait campagne pour nos amis. Mais on fait des campagnes sur des valeurs, sur des convictions, sur des actions, sur du volontarisme. Moi, je crois au volontarisme. C'est comme, on disait ça tout à l'heure avec Aurélien Pradier, le journaliste, il dit, oui, il faut la sécurité, c'est pas une compétence de la région. Ah oui, donc on fait rien. Donc la violence est inédite et on fait rien. On dit, ah ben non, c'est pas nous. Ben si, c'est nous. Voilà, on a été élus pour ça. Les citoyens attendent de nous des solutions et de l'action, mais pas dans 6 ans, pas dans 1 mois, tout de suite. Ça fait 25 ans de cynisme. Moi, cette gauche, vous savez, moi d'où je viens, je l'ai vécue, cette gauche. Je l'ai vécue à mes dépens. Moi, on me disait, mais qu'est-ce que vous faites à droite? Vous devriez être à gauche. Ah bon? Moi, la gauche du communautarisme, la gauche de la radicalisation, la gauche du séparatisme, la gauche du droit à la différence, c'est pas la France. C'est pas la France du mérite, c'est pas la France de l'ascension sociale et de l'ascenseur social. Donc je sais où j'habite, je sais où je vais, et je sais quelles valeurs je défends. Je défends des valeurs républicaines. Cette gauche qui se gargarise des valeurs républicaines, on a vu le résultat. Cette région, elle a été gangrénée par le séparatisme, elle a été gangrénée par les inégalités, elle a été gangrénée par du clientélisme. Nous ne sommes pas là-dedans. Voilà. Nous, on est dans la clarté, on veut agir dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous, on n'est pas là pour sauver des sièges, on est là pour sauver les Français. C'est notre grande différence avec les cyniques dont parlait Aurélien tout à l'heure, et puis les opportunistes qui, eux, ne font rien. Ils essayent par tous les moyens d'essayer de s'ancrer quelque part, mais ils n'y arriveront pas parce que les Français ne sont pas dupes. Premier parti de France, on a la majorité des collectivités, nous avons le plus grand nombre d'élus, En Marche c'est à peine 2%. Et les 2%, c'est soit ils ont trahi la gauche, soit ils ont trahi la droite. Ah franchement, on n'a rien en commun. Donc moi j'ai pas peur pour la droite. Si vous voyez, ils sont sur nos porte-bagages, hein. C'est pas nous qui sommes sur le porte-bagages de quelqu'un. Hein. Regardez en PACA, ils n'ont même pas été capables de constituer une liste. Donc voilà, Merci beaucoup. Les faits sont là. Merci à vous tous. Merci.